Mais c'est incroyable. Vous en êtes vraiment certain? Greg était présent dans l'entrepôt le jour où Enzola s'est fait assassiner. Mon Dieu, tout d'abord Carlos et ensuite Greg. Mais il est déjà venu chez nous, c'était votre camarade. Vous pensez qu'il a fait du mal à Enzola? Maman, on n'en est pas sûr à 100%, mais c'est une possibilité. Tout d'abord, il doit être entendu par le procureur. Et avant son audition, on ne peut être sûr de rien. Greg ne doit pas savoir qu'on le soupçonne d'être mêlé à cette terrible affaire. Pourquoi? Vous avez peur qu'il s'enfuit? S'il s'avère qu'il est vraiment mêlé à cette affaire, alors Greg peut être aussi le meurtrier de Luca, l'autre violeur d'Enzola qui est mort en prison. Alors lui aussi, c'est un assassin? Maman, plus rien ne m'étonne. S'il a violé Enzola, et s'il est le meurtrier de Luca, il va tout faire pour que cette enquête échoue. Vous pouvez compter sur notre discrétion, n'est-ce pas, Maria? Oui, bien sûr. On ne dira rien à personne. Où est Joël? Ils l'ont emmené sur un brancard et ils ne m'ont rien dit. Ça va aller, ça va aller. D'ici peu, ils vont nous donner des nouvelles. Tu devrais prendre soin de toi, Kim. Regarde dans quel état tu es. Regarde ce que cette histoire a fait de toi. Je vais consulter quelqu'un. Tu as parlé aux proches de Joël? Je n'ai pas eu le courage. Qu'est-ce que je vais leur dire, Kim? Personne ne peut se douter qu'on se trouvait près de cet entrepôt. Tu crois que ce qui me préoccupe, c'est cette histoire de vengeance? Je veux voir le visage de Joël, je veux savoir s'il est vivant. Il faut qu'on garde la tête froide, surtout. Le problème est très grave. Il faut qu'il soit vite réglé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai brouillé les pistes. Maintenant, à toi de jouer. Tu vas appeler les proches de Joël et leur répéter ce que je vais te dire, d'accord? Bon, Jordan, c'est l'heure d'aller au lit. Allez. Oh, laisse-moi voir la fin du film, maman. Allez, dépêche-toi, tu as colto demain, on y va. Mais c'est pas parce que t'as sommeil que je dois aller dormir. Pas. Fiston, tu sais que les enfants grandissent pendant leur sommeil. Ça peut être utile pour le basket. Si t'es plus grand, tu feras de meilleurs rebonds. D'accord. Allez, dépêche-toi. À demain. À demain. Bonne nuit. À demain. Nina, est-ce que je peux prendre ton ordinateur demain? Celui de Gerson est en panne et on l'a envoyé en réparation. Mais ça va prendre quelques jours, donc. Prends-lui, y a pas de problème. D'ailleurs, je n'ai plus de cours à Sainte-Agnès et avec tout ce qui se passe, je ne suis pas prête d'y remettre les pieds. Ah, non, ça ne va pas continuer comme ça. Quand vas-tu reprendre les cours? J'en sais rien. C'est Jamila. Allô? Allô, Ivo? Oui? Je ne sais pas comment vous le dire, mais... Ce n'est pas grand-chose. Les médecins vont s'occuper de mes blessures et avec le temps, la douleur va passer. Tu sais que tu aurais pu y rester, Kim. Arrête de parler comme si tu te remettais d'une simple migraine. Je ne fais que te répéter ce que le médecin m'a dit.
J'aurais préféré ne pas avoir cette conversation. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait rien eu. Rien ne se serait passé si Joël avait abandonné l'idée de se venger de Bianca. Reste à savoir si ce n'est pas trop tard aujourd'hui. Excuse-moi, Philippe, j'aurais aimé être contente et fêter ton nouveau contrat, mais je n'y arrive pas. Oh, ce n'est rien. Étant donné la situation, je te comprends. Et quand est-ce que tu commences ? Dans 2 jours. Mais ça n'a pas d'importance. La vie est vraiment nulle. Pourquoi je dois apprendre cette nouvelle alors que mon frère vient d'avoir un accident ? Pourquoi ? Ma mère dit que l'on doit toujours garder la foi. Que notre Seigneur nous protège et qu'il prend soin de nous. Je dois aller avertir Rose, elle n'est pas encore au courant. Qui est avec Joël ? Vous avez des nouvelles ? Non. Mais comment c'est arrivé ? On a eu un accident de voiture. J'ai eu quelques égratignures. Mais Joël... Mais comment ça, un accident ? Vous avez écrasé quelqu'un ? Vous êtes rentré dans quelqu'un ? Vous avez abîmé la voiture ? Non, pas tout à fait. T'étais avec eux ? Tu n'es pas blessé ? Bruno, arrête avec tes questions. Je m'en fiche de la voiture. Tout ce qui m'intéresse, c'est Joël. Jamila, qu'ont dit les médecins ? Est-ce que c'est grave ? Ils n'ont encore rien dit. Ils nous ont demandé de patienter. Greg, réveille-toi. Oh, laisse-moi dormir, Bianca. On sonne, t'entends pas ? Quoi ? À cette heure-ci ? Si ça se trouve, c'est ton idiot de frère qui a oublié ses clés. Vas-y. Même quand je dors, il me prend la tête, celui-là. J'arrive, j'arrive. C'est bon. Tu veux réveiller toute la maison ou quoi ? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes bien Gregorio qui est là ? Oui, c'est moi. Il y a un problème ? Debout, Bianca, debout ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça concerne l'entrepôt, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi ce qu'il y a ! Il est en feu, Bianca ! Quoi ? C'est tout ce que je sais, la police n'a rien dit de plus. Comment ça, il y a un incendie ? Ils sont pas capables d'être plus précis ? S'ils sont venus jusqu'ici, c'est que c'est probablement sérieux. Ah, encore debout à cette heure ? Vous vouliez faire une fugue, hein ? Si j'avais le temps, je te casserais la gueule tout de suite, toi. Du calme, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème à l'entrepôt. Quel entrepôt ? Là où sont les produits que vous allez vendre ? Oui. Nous sommes monsieur et madame Kiala, les locataires de l'entrepôt. Attention, c'est dangereux. J'en peux plus d'attendre. Pourquoi on ne nous donne pas de nouvelles de Joël ? C'est insupportable. Ces derniers mois, j'ai beaucoup souffert dans cet hôpital. D'abord à cause de Gerson et maintenant, Joël. Ça fait des heures qu'on attend. Généralement, quand ça dure autant de temps, c'est que ça ne se passe pas bien. Bruno. Il a raison, si tout allait bien, il nous aurait déjà dit que Joël nous attendait dans sa chambre et qu'on pouvait le on voir. On devrait arrêter de se faire des films, on n'a pas eu encore d'infos. Allô, Rose ? Allô, Ivo, comment va Joël ? On n'a pas de nouvelles. Les médecins ne sont pas encore venus nous voir. Ah, quelle angoisse ! J'ai le cœur serré. Dès que tu en sais plus, tu m'appelles, promis. S'il te plaît. Au revoir. Ils ne savent rien ? Les médecins ne leur ont encore rien dit. Oh, bon, bah, on n'a plus qu'à espérer. Je vais faire un thé, histoire qu'on reprenne nos esprits. Oui, je vais en profiter pour téléphoner à ma mère et lui dire que je dormirai pas à la maison. Mais pourquoi ? Hors de question que je te laisse, vu la situation. Merci. Alors, dans quel état est l'entrepôt ? Où tu vas, Bianca ? Laisse-moi tranquille ! C'est grave. L'entrepôt a brûlé, on a tout perdu. Ah ! Ah ! Ah !
Encore debout, ma chérie? Tu risques d'arriver au lancement de Besport et Exclusiva avec des valises sous les yeux. Je suis trop stressée pour dormir. À Londres, c'était pareil, maman. Je ne fermais pas l'œil. La veille de grands événements. Chérie, tu es tellement organisée, tellement professionnelle. Je suis sûre que tout va bien se passer. Mais ça, on verra demain. Tu as raison. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Je te mens. J'ai de très mauvaises nouvelles, Sarah. Il s'est passé quelque chose de très grave. Qu'est-ce qu'il y a? L'entrepôt a pris feu. Toute la marchandise a brûlé. On a tout perdu, Sarah. Pardon? Bon, je vais y aller, j'en peux plus d'attendre. Il est temps que quelqu'un nous dise ce qui se passe. Si personne ne vient nous parler dans les 5 minutes qui viennent, je vais avec toi pour savoir comment va Joël. Bonsoir, messieurs, dames. Vous êtes les proches de Joël Capala? Oui, docteur, comment va-t-il? Comment va Joël? Qu'est-ce qu'il a? Il est hors de danger. Dites-nous, docteur, s'il vous plaît. Il souffre d'un important traumatisme crânien. Et c'est grave, docteur? Plutôt. Mais on va faire du mieux qu'on peut pour le sauver. Docteur, il va vivre, n'est-ce pas? Vous devez absolument le sauver. Tout va se jouer dans les prochaines heures. Il est dans un état extrêmement critique. Est-ce que sa vie est en jeu? Oui. Le pronostic vital est engagé. C'est mon portable. C'est sûrement des nouvelles. Laisse, de Joël. Je réponds. Oui, vas-y. C'est papa. Allô? Comment va Joël? Qu'est-ce qu'il dit, Nina? Est-ce que Joël va bien? Nina, réponds! Oh non, c'est affreux. Oh mon Dieu! Non, papa, pas lui, ce n'est pas vrai. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Nina? Dis-moi, Nina! C'est affreux. Jamila, ça va aller. Le médecin a dit que c'était grave, mais qu'ils font tout pour le sauver. Comment ça a pu arriver? Après toutes ces années de séparation. Bruno n'est pas arrivé? Il ne travaille pas? Il est sûrement sur la route, maman. Il devait d'abord passer chez Joël pour prendre un ordi. Le nôtre est encore en réparation. Tu as vu comment les choses se passent? Heureusement que ton ordinateur est tombé en panne. C'est clair, maman. Heureusement que je lui ai demandé d'emprunter l'ordinateur de Nuno. Sinon, on serait encore en train de se demander si ce blog-là, potin tout chaud, c'est le sien. C'était le sien. D'ailleurs, les gens disent qu'il a gagné beaucoup d'argent avec. Les célébrités sont riches. L'enquêtrice Lemba dit qu'on entend beaucoup parler de lui au commissariat. Est-ce qu'il est toujours en prison? J'en sais rien. Après la raclée que lui ont infligée les gens du quartier, je doute fort qu'il remette les pieds au Dieji. C'était une toute petite raclée. Dans cette histoire, celle qui me fait de la peine, c'est Priscilla. Pauvre petite, elle n'est pas très futée, mais c'est une bonne fille. C'est une gamine que j'aime beaucoup. Et maintenant, je me demande où elle va vivre. Détrompe-toi. Priscilla est intelligente. Et elle aime travailler. Je suis sûre qu'elle va très vite rebondir. Je l'espère. Bon, chérie, je vais travailler. Bisous. Bisous. Embrasse Bruno de ma part quand il arrive. Ok. Ciao. Ciao. Thank you.
Oh là là, mon Dieu! J'ai jamais vu autant de jolies femmes depuis le concert d'Enrique Iglesias. C'est génial! Madame Nahir, ça fait des heures qu'on attend. On est super impatientes et en plus, il fait très chaud. J'arrive, j'arrive. Si j'avais su, je serais venue plus tôt, les filles. Allez-y, entrez vite. Calme! Madame Nahir, j'ai vu votre interview à la télé. J'habite super loin et je suis venue exprès pour acheter votre avocat l'homme. Le journaliste, c'est ma cousine, vous savez. Elle ne parle que de ça. Elle ne parle que de l'avocat. C'est merveilleux. Moi, j'habite juste à côté et j'ai très envie d'essayer aussi. En tout cas, c'est moi qui suis arrivée la première. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Il y en aura vraiment pour tout le monde. Soyez sans aucune crainte. 5 minutes. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu. Salut les mecs. Hey, salut Bruno. Excusez-moi, mademoiselle, désolé. Bonjour. Oh, vous n'avez rien à faire ici, c'est un endroit réservé aux dames. Je voulais juste voir. Non, allez-vous-en, vous. On vous a dit que c'était un endroit réservé aux dames. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, mais vous êtes bien curieux, mais vous allez devoir vous en aller et très vite. Je voudrais juste voir Nahir. Non, c'est impossible, ça. Allez, vous en... Revenez la voir à la fermeture. Elle a raison. Allez, sortez. Allez, salut Bruno, ça va? T'as vu le monde devant le salon? Avec toutes ces clientes, j'ai même pas réussi à parler à ta mère. Ça doit être à cause du reportage qui est passé hier à la télé. Passe-moi l'ordinateur. Il est à Nina, je te le donne et je me sauve. Bah pourquoi? T'as des ennuis? Oui, on va dire ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas facile à dire. Qu'est-ce qui se passe? Joël a eu un accident de voiture, il est à l'hôpital. Allô, Jamila? J'ai vraiment besoin de te parler. Maintenant, je peux pas, Priscilla. Mais c'est important! Tu devineras jamais ce que j'ai trouvé dans l'armoire de ton cousin. Une boîte remplie d'argent. De l'argent? Oui, sûrement l'argent qu'il a gagné grâce à son blog sulfureux. Ok, on en parle plus tard, Priscilla. Attends une petite minute, écoute! Nuno est ton petit cousin, je ne sais pas s'il va pouvoir sortir de prison, alors qu'est-ce Priscilla, que je fais de l'argent? Priscilla, je vais te dire, tu en fais ce que tu veux de cet argent. T'es sérieuse? T'es devenue folle. Priscilla, écoute... Joël a eu un accident, il est à l'hôpital. Un accident? Est-ce que c'est grave? C'est un truc de fou. Mon frère, entre la vie et la mort. Et mon père, comment il va? Il est très inquiet. Il est aux urgences avec Jamila. Je vais y retourner après. Attends, je vais venir avec toi. Non, c'est pas la peine, Jason. Il est bien pris en charge. Je sais que c'est dur de travailler vu les événements, mais tu ferais mieux d'attendre qu'on te donne des nouvelles. Le temps passera plus vite. Ok, d'accord, t'as raison. Tu vas réussir à tout gérer seul? Bah, j'ai pas vraiment le choix, tu sais. Mais je t'en supplie, si t'as la moindre nouvelle, appelle-moi. Promis, je t'appelle. Oh, au fait, j'allais oublier. Le virement que je t'ai demandé de faire à la banque, c'est bon? Oh mince, j'ai oublié Gerson, excuse-moi. C'est pas grave, mais maintenant là, je peux pas aller à la banque, j'ai pas le temps.
Dis à ta mère ce qui est arrivé à Joël. Et que j'ai essayé de l'avertir, mais que ces folles de clientes ne m'ont même pas laissé entrer. Ok, pas de problème. Dis donc, t'oublies pas de m'appeler, ok? T'inquiète. Ce n'est pas possible, les produits de Baysport et Exclusiva sont partis en fumée. L'incendie a absolument tout détruit. Et comment c'est arrivé? Et Bianca, où est-ce qu'elle est? Oh Greg, mon Dieu, c'est terrible. Je t'ai demandé où est Bianca. Je l'ai pas vue aujourd'hui, elle n'est pas dans la chambre. Non. Mais maintenant, comment vous allez faire? Vous avez un plan B pour sauver l'affaire? Occupez-vous de vos affaires. Non, Greg, attends. C'est pas de chance. Tout a brûlé? Tout est parti en fumée? D'après Greg, oui. Les pertes sont colossales. Rien n'est récupérable. C'est bon, j'ai compris. Je vois que vous êtes déjà tous au courant de l'affaire. Si seulement vous travaillez aussi vite que vous apprenez les choses. Greg m'a tout raconté. J'ai informé les autres. Puisque tu adores prendre des initiatives, contacte la presse. Je vais t'envoyer un communiqué pour expliquer ce qu'il s'est passé. Pas de problème. Clyde, appelle l'organisateur de l'événement et le traiteur et annule tout. Oui, Madame Bianca. Il n'y a que ça à faire. Répondre aux emails urgents et maintenir le bureau ouvert pendant la journée. Mmh. Et si la presse vient ici t'embêter... Je saurai quoi faire. Pas de déclaration. Ne vous inquiétez pas, madame. Je dois retourner à l'hôpital. J'ai du mal à rester loin de Joël dans un moment comme celui-ci. Ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller. Oui. Mmh. Où est-ce qu'il est? Je veux parler à Joël sur le champ. Joël n'est pas là. Il n'est pas arrivé. Je vais l'attendre. Je ne partirai pas sans lui avoir parlé. Joël n'est pas là. Pourquoi? Il avait la flemme de venir travailler. C'est pas grave. Je sais où il habite. Joël a eu un accident hier. Un accident? Oui. Un accident de voiture. Apparemment, vous étiez avec lui quand c'est arrivé. Quelle que soit la raison pour laquelle vous voulez parler à Joël, c'est impossible. Je ne suis pas du genre à rester les bras croisés. Si Joël est indisponible, c'est avec vous que je parlerai. Je n'ai pas vraiment le temps. Je vais faire vite. Je sais que c'est Joël qui a mis le feu à l'entrepôt qui stockait les produits de ma société. Pardon? Dites à votre chef que sa fin est proche, car maintenant je mène la danse. Si vous avez des soupçons, allez à la police. Que Joël profite bien de ses derniers instants de gloire. Bianca, Joël est à l'hôpital, entre la vie et la mort. Parfait. S'il survit, passez-lui le message. Sinon, ça ne fait rien. J'enverrai des fleurs pour les funérailles. C'est pas possible. L'opération a commencé depuis des heures et personne n'est capable de donner des nouvelles. Elle n'est pas finie. Le médecin viendra nous voir quand ce sera terminé. Tu veux boire quelque chose? Je peux aussi aller te chercher à manger si tu veux. C'est pas la peine, Bruno. Je veux juste voir Joël. Vous avez des nouvelles? Jamila, c'est affreux. On attend que l'opération soit terminée. Monsieur, si jamais vous avez besoin, on est là. Merci. Rose n'est pas venue avec vous? Elle dépose ses gâteaux au bar et elle vient ensuite. Elle se dépêche. Et Jordan, vous lui avez dit? On n'a pas eu le courage. On a préféré le laisser aller à l'école. On lui dira ce soir. Vous avez bien fait. Il vaut mieux lui parler ce soir. Les nouvelles seront sûrement meilleures. Je dois y aller maintenant. On a sûrement besoin de moi à Musicao. Nina, je te laisse en famille. N'hésite pas à me téléphoner. D'accord. Dès que j'ai des infos, je t'appelle, ok? Merci. D'accord. Joël a eu un accident de voiture. C'est ce que la chinoise m'a dit. Mais pour moi, cet incendiaire amateur a dû rester bloqué dans l'entrepôt lorsqu'il y a mis le feu. Tu n'as aucune preuve, c'est ta colère qui s'exprime. Je n'ai pas besoin de preuves, je connais bien cette ordure de Joël. Il est sorti de l'hôpital? Non. Il est juste en train de respirer une dernière fois. Tu crois qu'il va mourir? Ce serait mieux pour lui. Au moins, il trouverait la paix intérieure. Parce que s'il ne meurt pas, sa vie va être un enfer. Qu'est-ce que tu comptes faire, Bianca? Si Joël survit à ses blessures, quelqu'un va l'obliger à payer pour toute la marchandise que nous avons perdue. Et ce sera moi. Tu n'as plus de crédit ou quoi? Tu dois m'avertir quand tu es en retard, Neide. Désolée, Madame Vanessa. Il y a un problème? Oui, c'est un problème à la maison. Qu'est-ce qui se passe?
Oh, rien de grave, Madame Vanessa, ça n'a pas d'importance. Lady, tu dois me prévenir. Si tu as un problème, tu me dis si je dois me mettre à cuisiner ou si tu vas finir par arriver. Je ne serai plus en retard. Oh, Lady, je ne suis pas convaincue par ta réponse. Allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai des petits problèmes à la maison, rien de bien grave. Parle-moi, parce que là, tu commences à m'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe? Mon petit copain est au chômage. Il passe ses journées à traîner dans la rue avec tous les copains du quartier. Il a perdu son emploi? Oui, mais de toute façon, il n'a jamais aimé travailler. Il ne participe pas financièrement à la maison et il me prend mon argent. Mais il profite de toi, il ne faut pas le laisser faire. Oh, vous savez, ici je suis votre bonne et chez moi je suis l'esclave de mon copain. Il passe son temps à me pourrir la vie. Tu n'as vraiment pas de chance. Ma vie entière est sous le signe de la malchance. Pas plus tard que ce matin, un voisin est venu me voir pour que je lui rende l'argent qu'il lui avait prêté il y a quelque temps. Il ne l'avait pas remboursé. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai dû puiser dans mes économies pour le rembourser, parce qu'autrement... Il aurait cassé ma porte, il aurait fait un scandale et il s'en serait pris à nous, alors... Sincèrement, Nédé, ton copain mériterait une bonne leçon. Ça, malheureusement, je sais que j'en suis pas capable. Quel dommage. Je vais ouvrir la porte. Laisse, Nédé, j'y vais. Ne bouge pas. Bonjour, est-ce que Daniel Locav est ici? Oui, bonjour. Daniel est à l'école. Je suis sa mère. Qui êtes-vous, madame? Dalila Santos, je dirige une société de production pour la télévision. Est-ce que je peux vous parler? Oui, oui, bien sûr, madame, entrez, je vous en prie. Merci. Mais dites-moi, que lui voulez-vous? Eh bien, nous aimerions que Daniel passe un casting pour une émission de télévision. Une émission de télévision? Mais comment vous connaissez mon fils? Oh, s'il vous plaît, venez vous asseoir, je vous en prie. Merci. Une de mes amies a assisté au showcase de Daniel et m'a dit que même si ce n'est pas un très bon chanteur, en tout cas, c'est un vrai humoriste. Oui, le concert qui n'a jamais eu lieu. Oui, ça, elle me l'a dit également, mais elle a tout filmé. D'ailleurs, j'ai toutes les images dans mon téléphone portable avec moi. Daniel est extrêmement drôle. Vous voulez voir? Non, non, ça ira, ce n'est pas la peine, j'étais là. Eh bien, mes collègues et moi, nous trouvons qu'il a énormément de talent. Est-ce que ça vous dérangerait que je discute avec lui? Hilario, regarde, regarde. Alors, qu'est-ce que t'en dis, hein? Ma petite Flore va venir me voir ici, je vais la lui offrir et l'inviter à dîner. Et tu penses qu'elle va aimer? C'est vrai qu'il n'y a pas de diamant, mais j'ai dépensé tout mon argent, elle va adorer. Tu ne sais même pas où elle en est avec son mari, et toi tu te jettes à l'eau. Mais enfin, Hilario, qu'est-ce que t'as fait de ta grande expérience de vie? Écoute, son mari n'a pas été au lancement de son livre. Il va voyager dans tout le pays, dans une vingtaine de provinces et plus de 170 villes. Tu comprends ce que je veux dire, Hilario? Leur mariage est terminé. Je n'ai plus besoin d'aucune preuve. Tout ça, pour moi, ce ne sont que des indices. Mais n'importe quoi, ce sont des preuves. C'est évident que ce sont des preuves. Vous parlez de quel crime? Je veux tout savoir. De quel homicide s'agit-il? Rien de spécial, on était en train de parler de... De banalité. Voilà. Rui m'a dit de venir pour analyser un profil, vous savez de quelle affaire il s'agit? Vous connaissez Rui. Dès qu'il a des nouvelles, il les annonce lui-même. Ok, dans ce cas, je vais le voir. D'accord. Professeur, après votre rendez-vous, ce serait possible de discuter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, Polo. C'est toujours un plaisir de te parler. Merci. À tout à l'heure. C'est toujours un plaisir de te parler. Oh, 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 Hilario. Merci d'avoir fait si vite, Flore. J'aurais besoin d'un profil. Je suis là pour ça, oui. Maintenant que je n'enseigne plus à Sainte-Agnès, j'ai forcément plus de temps à consacrer au laboratoire. Elena est très soucieuse de cette situation. Ma femme a peur de se retrouver au chômage. Il est vrai que nous sommes tous dans l'incertitude. Il y a de bons professeurs à Sainte-Agnès. J'en parlais avec Elena. Vous devriez vous regrouper et ouvrir un centre de soutien scolaire. Comment ça? Il y a tellement d'élèves qui ont besoin d'aide pour leurs cours, ça pourrait vraiment être une bonne idée. Je n'y avais jamais pensé. Pense-y, mais pour le moment, voici l'individu et toutes les données. Fais-moi voir ça. Oh, je ne m'attendais pas à une chose pareille. Je n'aurais jamais pensé que mon fils puisse intéresser quelqu'un grâce à son sens de l'humour. Faire rire, c'est un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. Un tel talent ne doit pas être perdu. Bonjour. Ah, c'est toi, chérie? Mais qui t'a ramené? C'est papy. Et ta sœur, où est-ce qu'elle est? Ils sont allés voir la camionnette au garage, mais j'ai pas voulu y aller. Ah, oh, tu as bien fait. Cette dame veut te parler.
Bonjour, Daniel. Je suis Dalila. Je travaille comme productrice. Productrice musicale? Non, pour la télévision. Elle a entendu les sketchs que tu as fait au showcase et elle a une proposition à te faire. On voudrait que tu viennes passer un casting pour présenter une émission à la télévision. Présentateur? Moi? Oui, Daniel. D'après ce que j'ai entendu, tu es naturelle. Et puis, tu sais parler en public. Tu as une excellente diction. Tu as une élégance naturelle. Alors, on aimerait beaucoup voir ce que ça donne à l'écran. Je suis tout ça à la fois. Ah oui, j'avoue que tu m'as fait une bonne première impression. Attention, ce n'est qu'un casting, mon chéri. Est-ce que je peux y aller? Attention, chéri. La condition, c'est que tu fasses la même chose que pour la musique. Tes études passent toujours en premier. On est bien d'accord? Promis, juré. Et c'est quand ce casting? Demain, si tu es disponible. Déjà? Ce n'est pas nouveau comme idée. De mon temps, dans les petits villages, les enfants venaient s'asseoir à côté des anciens pour écouter des histoires. Ils apprenaient à rêver, à avoir certaines valeurs. Tu crois que les enfants vont écouter tes histoires près de ton van? Moi, j'ai un petit doute. Non, je ne vais pas arriver dans une ville, sur la place centrale, et me mettre à crier comme un poissonnier. Des histoires, non. Je vais plutôt aller dans des écoles, des médiathèques. Mais il faut pas que tu donnes tous les livres, sinon t'en auras plus à lire. La connaissance fait partie de ces rares choses qui méritent d'être partagées avec le plus grand nombre. Mon objectif est de promouvoir un programme de lecture. Oui, j'ai bien compris. La première chose à faire, c'est de mettre des livres entre les mains des gens. Après, il faut espérer qu'ils se mettent à les lire, bien sûr. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, c'est en partie gagné. Mais c'est une mission très difficile. Et notre pays est très grand. Tu vas vraiment faire tous ces longs voyages tout seul, papy? Tiens, qu'est-ce que tu fais? Tu la surveilles? T'inquiète pas, elle doit passer par ici pour sortir. Oh, mais tais-toi, la voilà qui arrive. Professeur, vous avez terminé, ça y est. Tu as l'air stressé, Polo. Qu'est-ce qu'il y a, c'est à cause de Sainte Agnès? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Dis-moi alors. Je pourrais vous parler. Oh, ça a l'air vraiment important. Au revoir, Hilario. J'arrive. Au revoir. Tenez, j'ai un cadeau pour vous. Pour moi? Waouh, une montre, Polo. Merci. C'est juste un petit geste. Pour vous remercier d'être là. D'ailleurs, il y a un mot derrière, vous pouvez le lire. Bien sûr, mes lunettes. Allez-y. J'espère que le temps ne nous séparera plus jamais. Polo, je ne comprends pas, désolée. Ça fait longtemps que je voulais vous parler. J'ai peur de ne pas bien comprendre. Ok, je vais tout vous expliquer. Mais ce sera pendant le repas. Parce que j'ai réservé une table au restaurant ce soir. Au restaurant? Oui, une table pour deux. Polo, désolé, mais je ne peux pas dîner avec toi. Oh, ok, vous n'avez pas le temps, je comprends. Dans ce cas, je vais tout vous dire maintenant. Parce que ça fait trop longtemps que je garde tout ça pour moi. Professeur Flore, vous êtes la femme la plus incroyable que j'ai rencontrée dans ma vie. Vous êtes plus qu'une prof pour moi. Vous êtes mon mentor. Polo, merci beaucoup pour tout, mais je ne sais vraiment pas quoi te répondre. Oui, je m'en doute au début. Moi aussi, je pensais que c'était un peu ridicule, mais je vous admire tellement. Et petit à petit, ça n'a fait que grandir, au point de comprendre que c'était plus fort que moi. Polo, s'il te plaît. Votre beauté me transporte. Votre façon douce de parler, de dire les choses, tous vos gestes, votre style et votre charme, votre délicatesse, je vous trouve tout à fait merveilleuse. Ta déclaration est très, très belle et charmante, seulement je pense que tu te trompes complètement. Non, Flore, ce n'est plus la peine de faire semblant maintenant. Je ne vois pas de quoi tu veux parler, car moi, je ne recherche pas du tout l'amour. Je suis déjà mariée, Polo. Oui, je le sais. C'est pas pour autant qu'on doit être ce que la société veut qu'on soit. Pardon? Professeur, je comprends bien la situation. Je sais que la vôtre est difficile, mais je vois que vous n'êtes pas heureuse avec votre mari. Votre mariage ne tient qu'à un fil. Je ne vois pas de quoi tu veux parler, Polo. José, votre mari, il n'est pas allé au lancement de votre livre, n'est-ce pas? Et maintenant, il va voyager dans tout le pays. Sans vous emmener avec lui, c'est un véritable manque de respect. Moi, à sa place, c'est certain que je vous aurais Polo, emmené. Polo, ça suffit. Je crois que tu mélanges tout. Tu dis n'importe quoi. Comment ça, professeur? Comment ça, je dis n'importe quoi? Polo, je ne sais pas où tu as vu qu'entre José et moi, ça n'allait pas parce que...
Je sais que c'est l'homme de ma vie. Oh. L'homme avec lequel je vis et avec lequel je veux continuer à vivre. Oh non, 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 c'est pas possible, pas possible. C'est impossible. Polo, reprends ton cadeau et donne-le à une femme qui te rendra vraiment heureux. Parce qu'il est évident que cette femme, ce n'est pas moi. Tu tombes bien, je t'attendais justement. J'ai une proposition à te faire. Un dîner aux chandelles ou un week-end romantique avant que tu ne partes sur les routes. Beaucoup mieux que ça, Flore. Beaucoup mieux que ça. Voilà. J'ai réfléchi à la situation dans laquelle se trouve Sainte Agnès, de ton rôle dans cet établissement. Et je pense que... Aujourd'hui, ma préoccupation, c'est de trouver une façon d'aider mes élèves. Si ça se trouve, Flore, tu ne retourneras pas dans cette école. Et je sais que tu travailles au laboratoire, que tu écris tes livres. J'ai du mal à te suivre. Tu te préoccupes de ma situation financière maintenant? Non, bien sûr que non. On a des économies, on a fait des placements. Et alors? Je veux que tu m'accompagnes sur la route. On va faire ce voyage ensemble. Je n'y crois pas que tu me demandes ça. Je ne veux pas. Crois-toi, Kim. Bianca va accuser Joël d'incendie volontaire. Elle n'a pas de véritable preuve. On a maquillé cet incendie en accident. Cette conversation me met mal à l'aise. J'ai l'impression d'entendre un voyou. Si tu avais entendu Bianca parler de Joël, tu serais vraiment mal à l'aise. Pourquoi ? En plus de le menacer, elle a dit qu'elle enverrait des fleurs si jamais il mourait. Pas la peine de m'en dire plus. Je ne veux pas des mauvaises ondes de cette femme. J'ai parlé avec Maria et Lemba. Elles vont venir? Je leur ai dit d'attendre que je leur donne des nouvelles. C'est dingue. Regardez, le médecin arrive. Docteur, comment va mon fils, Joël? L'opération s'est bien passée. On a fait tout ce que nous pouvions. Il n'y a plus qu'à espérer. Espérer? Mais espérer quoi? Espérer que Monsieur Capalas se réveille. Il est dans le coma. Je serai toujours là pour toi, Joël. Ne m'abandonne pas. Bats-toi. Bats-toi pour nous, Joël. Je t'aime tellement, Joël. Tellement.
Cada toque